Voilà, une autre vidéo sur Alterma 3 pour programmer l'eau chaude sanitaire. Donc pour programmer l'eau chaude sanitaire, vous cliquez toujours à bouton de gauche, vous descendez à ballon. Lorsque vous êtes à ballon, vous rentrez dans le sous-menu en cliquant toujours à gauche et vous allez dans mode de chauffage. Mode de chauffage, là on est en réchauffement seul, donc ça veut dire qu'on est en priorité chauffage eau chaude sanitaire. Vous pouvez passer sur programme plus réchauffement. À ce moment-là, vous avez une semi-priorité et programme uniquement, il va suivre un programme. Donc, pour lui faire suivre un programme, vous allez activer ici, et vous allez avoir, donc, il faut qu'on le fasse pour qu'on ait l'onglet qui s'affiche. Et là, on a horloge qui vient de s'afficher, où on n'avait pas tout à l'heure. Et on a les points de consigne, confort et écho. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en rentrant dans horloge, vous allez avoir une programmation hebdomadaire. On rentre sur le lundi par exemple, on vient le faire modifier et vous allez pouvoir lui rentrer une programmation. Donc là par exemple, on a fait un exemple à 1h50 en confort. Donc on va se mettre sur la température qui est réglée dans le mode confort. Pour aller voir la température qui est réglée dans le mode confort, vous allez point de consigne de confort. Ici on voit qu'on est réglé à 50 degrés et qu'on est réglé en point de consigne éco à 45 degrés. C'est des valeurs que vous pouvez changer très facilement. Une fois que ça c'est fait, et bien à ce moment-là, vous revenez en arrière et c'est fini.